Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Bonjour et on va pas être très long aujourd'hui. Donc, je vais pas forcément attendre que les gens soient connectés pour commencer. Vous pourriez voir la vidéo après le direct, parce que ce message, le message d'aujourd'hui sera essentiellement tiré du poème du président Kamto adressé à son ami, frère et allié, le très regretté Christian Penda Ikoka. Nous allons commencer, mais vous qui êtes déjà là, partagez. Je ne vais pas rester très longtemps parce que juste après, moi aussi, je dois vaquer à mes occupations. Le message sera très, très, très bref et il ne faudrait pas que on s'attarde trop longtemps. Donc, la vidéo va rester sur ma page et là où elle est partagée pour que ceux qui arrivent après puissent écouter, l'écouter ou bien le suivre. Entrer dans l'univers poétique du président Maurice Kamto après le décès de son ami, frère et allié politique, décédé il y a pas très longtemps et inhumé le week-end dernier dans sa terre natale à Douala. Pas Christian Penda Ikoka, très profondément, mes prières t'accompagnent. Je vais commencer tout de suite. Je ne vais pas être très long. Et je vais donner ce que je comprends de ce poème pour comprendre pourquoi nous devons marcher à Montréal, pour comprendre pourquoi nous devons nous retrouver à Montréal au métro Snowdon ce samedi à 12h pile. Pour marcher sur Montréal, pour marcher dans la ville de Montréal, jusqu'au parc Côte des Neiges, jusqu'au parc Côte des Neiges, autant pour moi. Et donc, aujourd'hui, ce message se veut très calme, très profond, très spirituel, très dans le recueillement. Ce qui a été. Pour moi, qu'est-ce qui a été? Il a été que, à l'annonce des élections du 18 octobre 2018, les Camerounais se sont mobilisés. Les partis politiques se sont mobilisés dans l'unique et seul but de libérer le Cameroun. Pas d'arracher le pouvoir entre les mains de Paul Biya, parce que le pouvoir, il n'en a pas. Dans l'unique et seul but de tenter de libérer le peuple camerounais du joug d'une dictature qui dure depuis 60 ans. Dans cette optique, Maurice Kamto fut investi comme président national du parti politique, le MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Conscient que c'était le parti politique de l'heure qui avait la capacité de mobiliser les Camerounais en un laps de temps et pour pouvoir renverser la dictature et libérer le Cameroun, Christian Penda Ikoka, alors ancien conseiller de Paul Biya, ancien conseiller économique de Paul Biya, ayant quitté sa fonction, démissionné ou pas démissionné, là n'est pas le débat, rejoint avec son mouvement Agir nouvellement créé la plateforme politique MRC en tant qu'allié dans le but de renverser le pouvoir et libérer le peuple camerounais. C'est ainsi que, par un acte contractuel,
agit, se positionne aux côtés du MRC, en la personne de son fondateur, le très regretté Christian Penda Ikoka. Avec lui, Maurice Kamto mène la campagne électorale, mène la campagne historique, qui a abouti d'ailleurs à la victoire du MRC et de ses alliés. Victoire qui a été très très vite, comme vous le savez, arrachée par un hold-up électoral comme d'habitude, qui n'en est pas le premier de l'histoire depuis l'avènement du multipartisme au Cameroun. Malheureusement, malgré les tentatives de récupération judiciaire de notre victoire, le monde du droit n'étant plus aux côtés du peuple, le pouvoir ne fut pas remis, la souveraineté du peuple camerounais ne lui fut pas rendue officiellement. Mais Maurice Kamto, quasiment abandonné de tous ses alliés, le MRC quasiment abandonné de tous ses alliés, et ayant introduit un recours de reconnaissance de la victoire du peuple au Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel ayant été, comme nous le savons tous, à la solde de la dictature, refusa de remettre au peuple la souveraineté qu'elle a offert et de prononcer la justice. Dans cette même cour, Maurice Kamto décide que, puisque la justice n'est pas rendue au peuple et pour le peuple, il n'a pas d'autre choix que d'entrer en résistance. C'est à ce moment précis que les alliés se disloquèrent. Maurice Kamto et le peuple choisirent de continuer la résistance. La résistance fut jonchée de plusieurs embûches. Les arrestations arbitraires et barbares des citoyens qui tentaient simplement de revendiquer leurs droits. La guerre qui sévit dans le Nozo se multiplia. La COVID-19 se pointa à l'horizon, décima les peuples du monde, et le Cameroun n'en fut pas épargné. Mais même si la COVID a massacré les peuples du monde, les dirigeants de chaque peuple furent à leur côté pour combattre la pandémie. Mais au Cameroun, le peuple fut purement et simplement abandonné à lui-même. C'est dans ce sens que Maurice Kamto, sur le coup, crée une petite association, Cameroun Suivi Survival. Une association qu'il met sur pied dans le but de récolter les fonds afin que le peuple soit soudé autour d'une solidarité sacrée pour barrer la route à la pandémie. C'est donc ainsi que il lance un appel à contribution de tous les Camerounais. Il demande au peuple de se souder autour de cette association pour se prendre en main lui-même, pour se sauver lui-même de la pandémie. Un cri qui a été largement entendu et où tous les Camerounais et où la majorité des Camerounais ont répondu par un acte concret de contribution qui a donné à peu près une somme, disons-le, d'1 million d'euros. N'eût été les erreurs informatiques, nous aurions pu atteindre le montant d'1 million d'euros. Et en créant cette association, le
Christian Penda Ekoka, étant son frère ami, allait rester à ses côtés pour continuer la résistance. Et au regard de ses compétences en matière économique et financière, le désigne comme le gestionnaire de cette lourde tâche, gérer 1 million d'euros. C'est malheureusement au cours de ce travail que les relations entre le président Moïse vacillent. Et nous sommes arrivés à tout ce que nous sommes arrivés. Les choses sont allées très vite. C'est au cours de cette petite période d'incompréhension que la mort de Père Christian Penda Ekoka survient brutalement. Sa santé vacille et finalement a raison de lui. Voilà ce qui a été. Ça, c'était le début du poème de Maurice Kamto. Ce qui a été. Qu'est-ce qui a donc été? Dans ce contexte, ce qui a été était que Christian Penda Ekoka, j'ignore si lui et Maurice Kamto se connaissaient avant. Je l'ignore. Mais moi, j'ai connu Christian Penda Ekoka pendant les élections, pendant la campagne électorale. Je ne le connaissais pas avant. Moi, personnellement, sans vouloir parler à mon nom, sans vouloir parler de façon individuelle, personnellement, je ne connaissais pas Christian Penda Ekoka. Je l'ai connu aux côtés de Maurice Kamto. J'ignorais même qu'il était conseiller de Paul Biya. Je ne connaissais rien de lui. Je l'ai aimé parce que j'étais étonnée qu'on puisse travailler pour Paul Biya et finalement se retrouver aux côtés du peuple pour lutter. Voilà ce qui a été. J'ignore donc si lui et Maurice Kamto se connaissaient avant. Mais peut-être que Maurice Kamto l'a aussi connu au moment où il a frappé à sa porte pour dire « Me voici. Allons-y, luttons ensemble aux côtés du peuple. » Ce qui a été donc que leurs routes se sont croisées. Voici le poème. On doit se reconnaître depuis l'avant-monde, là où prend racine ce qui n'est pas encore. Les destins s'unissent avant même de naître. La mission précède toujours les premiers pas. Qui connaît l'intérieur de notre lutte? C'est la transcendance de nos pensées, l'étendue de l'espérance. Voilà la première strophe du poème de Maurice Kamto. J'avoue que j'avais très bien compris cette strophe, mais le reste du poème, je n'étais pas sûre d'avoir bien compris. Et j'ai été encore mieux éclairée par l'explication de notre très cher professeur Franklin Nyamsiwa Cameron qui, homme de lettres, philosophe également, nous a aidé à mieux approfondir ce poème. Il a très bien expliqué. Cette première strophe renvoie à l'avant-vie. Cette première strophe renvoie à l'avant-création. Vous savez, je suis chrétienne catholique. Je me suis donnée à la méditation des Écritures. Parce que même si on n'est pas chrétien, on doit quand même avouer que les Écritures bibliques sont d'une extraordinaire beauté, sont d'une profondeur inexplicable. On doit se reconnaître depuis l'avant-monde. Là où prend racine ce qui n'est pas encore. Les destins s'unissent avant même de naître. La mission précède toujours les premiers pas. Qui connaît l'intérieur de notre lutte, c'est la transcendance de nos pensées, l'étendue de l'espérance. Ceci renvoie donc l'avant-univers, parce que l'univers, c'est ce que nous voyons quand nous sommes déjà nés. L'avant-création, quand nous ne sommes pas nés, la création n'existe pas, elle n'est pas encore. Lorsque nous naissons, nous sommes dans la création et nous nous demandons d'où ça vient. Ici, Maurice Kamto parle de l'avant-création.
de l'avant-naissance, l'avant-notre, c'est-à-dire la période à laquelle nous, on n'avait même pas encore pensé à nous concevoir. L'avant-fécondité, l'avant-fécondation. D'où venons-nous? Et Moïse, quand tu retournes dans ce monde-là pour dire qu'avant d'être ici, l'avant-monde, nous étions. Il dit à Christian Penda et Koka, avant d'atterrir dans la vie où nos yeux voient, nos oreilles entendent ce qu'ils peuvent entendre, palpent, nous même palpent ce qu'ils peuvent palper, nos pieds foulent quelque chose qui ressemble à, un sol, à une terre, nous étions. Nos destins étaient déjà unis avant que nous n'arrivions ici. La mission précède toujours les premiers pas. Avant d'être, nous avions déjà une mission. Nous étions déjà prédestinés à quelque chose. Ça, la transcendance de nos pensées, ça dépasse ce que toi et moi nous pouvons imaginer aujourd'hui. L'étendue de l'espérance. D'où nous venons, là où nous étions, là où nous sommes aujourd'hui et là où nous allons. C'est ça l'espérance. Voilà tout ce que je peux vous dire sur la première strophe. Le résumé, c'est simplement que avant d'être, nous étions. Avant ce que nous sommes appelés à faire aujourd'hui, nous avons déjà été appelés. Nos destins s'unissent. On nous connaissait avant que toi et moi, on se voit ici aujourd'hui. Nous ne sommes donc pas là par hasard. Nous avons été. Nous sommes. Et nous serons. C'est ça l'espérance. Ça, c'est ma manière de comprendre. Ça, c'est la dimension. C'est pour vous dire, ça, c'est la dimension, la plus haute dimension de la lutte. C'est comme ça qu'il faut comprendre d'où on vient, ce qu'on est et là où on va. Pourquoi on lutte. Aux torches allumées de la côte. Oh! Ce n'est pas oh. C'est « Oh, torche allumée de la côte océane. » Là, le professeur Nyamsik Wakamon dit que c'est Christian Ekpenda Ekoka qui est là, qui « Oh, torche allumée de la côte océane. »« Oh, toi, Penda, Christian Penda Ekoka. » La côte océane, c'est la côte littorale. C'est le littoral. C'est d'où vient Christian Ekpenda Ekoka. « Oh, torche allumée de la côte océane. » En toutes choses se croisent nos rivières, dont les cours unis se déroulent le long de cette terre endolorie, sauf à la vallée des larmes où susurre dans le cœur. Susurrer veut dire chuchoter doucement. Dans le cœur disposé, les murmures des orgues de Dieu. Oh, toi, Christian Penda Ekoka, fils de la côte, fils du littoral, enfant Sawa, en toutes choses se croisent nos rivières. Je venais de l'ouest. Ma source venait de l'ouest. Ta source venait des côtes de l'océan Atlantique. En toutes choses se croisent nos rivières, dont les cours unissent. Se déroule. Donc, nos rivières s'unissent et vont ensemble, se déroulent, cheminent le long de cette terre endolorie, ici, sur notre terre natale, à toi et moi, le Cameroun, mais une terre endolorie. Malheureusement, endolorie. Cette terre douloureuse, nos rivières se croisent, nos chemins s'unissent. C'est ça. Je m'arrête là. Donc, avant, nous étions et nous nous retrouvons au Cameroun. À l'épicentre de nos vies au Cameroun, a pris siège la fripouille. Pour moi, à l'épicentre de nos vies, ce n'est pas le Cameroun. Pour moi, à l'épicentre de nos vies, c'est-à-dire dans ce cheminement, parce que
terre endolorie, c'est le Cameroun. À l'épicentre de nos vies, c'est-à-dire maintenant, dans le cheminement, dans nos actes quotidiens, à l'épicentre de nos vies, dans ce que nous étions en train de faire. C'est-à-dire dans notre cheminement, dans nos actions quotidiennes, à l'heure où toi et moi nous étions unis pour la lutte. Après siège la fripouille. La satrapie est venue se mêler dans notre chose. La satrapie est venue s'incruster dans notre mission. À l'épicentre, au moment où toi et moi, nous étions en train de défricher la voie de la liberté. Après siège, la fripouille, la satrapie est venue s'asseoir au milieu de toi et moi. Grégoire et Owona est venu s'asseoir au milieu de toi et moi. L'oblation du mensonge a révélé la chimère. Grégoire Owona est venu s'asseoir au milieu de toi et moi. Avec tout ce qu'il comporte comme corruption, mensonge. Corruption, mensonge et quoi d'autre? Manipulation. Poison. Trahison du peuple. Le trône pour eux, je veux donc dissimuler le néant. Le veau d'or, c'est quoi? Tout ce que cette satrapie est couvert d'argent, notre argent. Couvert de toutes sortes de choses qui frappent à l'œil. Mais qui empoisonnent nos vies. Il est venu au moment où toi et moi, nous étions en train d'accomplir notre mission. Ils sont venus prendre siège au milieu de nous. Nous trompant, oui, le veau d'or trompe toujours. Et nous conduisant à la traîtrise. Ils se sont assis au milieu de nous. Ils ont tenté de te faire détourner de la mission noble. Donc, avant la création, de la mission noble dont nous avons été investis avant la création. Laquelle mission est de conduire le peuple camerounais sur le chemin de la liberté. Ils ont pris siège au milieu de nous et nous conduisant dans le néant. Le trompe-œil, la corruption, nous mentir, nous manipuler, ils ont pris siège au milieu de nous. Ils ont dissimulé, ils sont venus avec les bons mots du mensonge, tromper avec de l'argent et tout. Nous voilà disloqués et tombés dans le néant. Cesse de faire appel à ce que le satrape manipule toujours tout le monde. Dès que vous, au Cameroun, vous commencez à construire ce qui est bon. Dès qu'au Cameroun, et le jour où j'ai vu Christian Kependa Ekoka aux côtés de Moïse Kamto, j'ai su que non seulement la satrapie n'était pas contente, j'ai su qu'ils allaient tout faire pour semer, pour jeter du poison, pour jeter le mauvais venin au milieu de ces deux personnes. Moïse Kamto et Penda Ekoka s'aimaient. Ça se voyait. Du moins, Moïse Kamto, droit dans ses bottes, aimait Christian Penda Ekoka. Ça, c'est ce que je sais. Et ça se voyait. Tout comme Moïse Kamto aime tous les Camerounais, Moïse Kamto aimait Christian Penda Ekoka. Je les ai vus. J'ai vu le regard de Moïse Kamto dans le regard de Christian Penda Ekoka. Un regard de frère. J'ai vu comment à chaque fois, Moïse Kamto tenait la main de Christian Penda Ekoka. J'ai vu comment à chaque fois, Moïse Kamto refusait de marcher devant et Penda Ekoka derrière. J'ai vu comment à chaque fois dans un aéroport aux États-Unis, j'ai vu Moïse Kamto à chaque fois s'asseoir pour permettre à Christian Penda Ekoka de s'asseoir. Parce que la santé de Penda Ekoka était vacillante.
Moïse Kamto le savait. Lors de leur procès, le peuple ayant pris d'assaut une salle, Christian Bena Ekoka s'est évanoui. J'ai vu Moïse Kamto souffrir de la souffrance de Christian Bena Ekoka. Pendant qu'on les avait embarqués comme du bétail de la maison du Père Nzonga, une nuit à Douala jusqu'à Yaoundé, dans les conditions les plus inhumaines. Lorsque Moïse Kamto racontait cette histoire, j'ai vu Moïse Kamto aimer Christian Bena Ekoka. J'ai compris, lorsque Moïse Kamto racontait ce voyage périlleux, ce kidnapping, avec la santé de Christian Bena Ekoka, j'ai vu Moïse Kamto s'abandonner lui-même pour parler de Christian Bena Ekoka et dire qu'il aurait pu mourir parce que sa santé ne lui permettait pas d'être kidnappé ce jour-là, la nuit. Dans les conditions, il a raconté comment Moïse Kamto avait raconté comment Père Christian Bena Ekoka voulait faire pipi. Comprenez que quelqu'un dont les reins ne fonctionnent plus, les organes ne fonctionnent plus bien. Il a même crié aux policiers que la santé de arrêter la voiture. Il faut que Christian Bena Ekoka aille se soulager. Ils ont refusé. Ils étaient obligés de faire pipi sur place dans le camion. Quand Moïse Kamto a raconté ça, sans pudeur, j'ai dit, je l'ai écouté de la bouche du président Kamto. J'ai compris que c'est pour Christian Bena Ekoka, c'est de la santé de Christian de son ami, dont il s'inquiétait tant. Et pourquoi est-ce que Moïse Kamto dit que toi et moi, on devait se croiser? Christian Bena Ekoka est quand même l'homme, quelles que soient les intentions de Christian Bena Ekoka auprès de Moïse Kamto, c'est quand même l'homme avec qui Moïse Kamto a passé 9 mois, malgré la santé vacillante, en prison. 9 mois. C'est avec lui. Et c'est pendant la prison que Moïse Kamto s'est attaché à Christian Bena Ekoka. C'est pendant cette souffrance unique, inédite de leur vie, que Moïse Kamto s'est attaché à Christian Bena Ekoka. Et il s'est dit, et il dit ici, les destins s'unissent avant même de naître dans la première souffle. C'est pour ça qu'il le dit. Les destins s'unissent même avant de naître. Comment je savais, j'ai toujours fait la prison de Paul Biya. Mais rien ne me faisait croire qu'un jour, Christian, je devais me retrouver avec toi dans une prison. Parce que toi et moi, nous avions choisi la meilleure voie, la meilleure option. Celle d'être aux côtés du peuple pour lutter avec lui. Je n'aurais jamais cru. En prison, tu n'as pas demandé à te libérer. En prison, tu aurais pu te corrompre. Tu n'étais pas obligé de rester avec moi en prison pendant 9 mois. Tu aurais pu, depuis la prison, appeler Paul Biya pour dire « Je ne suis plus avec Kamto, je sors de la prison. » Tu ne l'as pas fait. Tu es resté avec moi. C'est donc là-bas que Moïse Kamto a compris. Moïse Kamto s'est vu obligé d'aimer que Christian Bena Ekoka est entré dans la vie de Moïse Kamto. Et que même les injures d'après n'y feront rien. C'est dans le partage de cette épreuve. Moïse Kamto non plus n'avait pas dit à Christian Bena Ekoka que, excusez-moi, je suis à fleur de peau. Moïse Kamto n'avait pas non plus dit à Christian Bena Ekoka que, comme ta santé est vacillante,
sors de prison. Il ne le lui a pas dit. Parce que comme je vous le dis, parce que comme il a dit dans la première strophe, la mission précède les premiers pas. S'il est appelé, s'il était dit, il y a des choses qui touchent forcément les amis. Il y a des choses qui touchent forcément. Moïse Kamto n'a pas demandé à Christian, n'a pas dit à Christian Ekoka que comme ta santé est plus vacillante que la mienne, sors. Non, il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit. Mais Christian Ekoka a eu la liberté, le libre arbitre de souffrir en prison le temps que ça prendra. Il s'est dit, si je meurs en prison, que je meurs. Il n'a pas demandé à aller faire ses soins. Il ne l'a pas fait. Il était pour la lutte. À ce moment-là, Moïse Kamto a dit, ça c'est mon frère. Peu importe ce qui va arriver après, que la fripouille. Peu importe, quand les puissantes de leur vie prennent siège la fripouille, Christian est devenu le frère de Moïse Kamto en prison. C'est un peu comme si 9 mois de grossesse en prison, 9 mois de gestation en prison. Sorti après 9 mois, c'était trop symbolique pour Moïse Kamto. Pour traiter Christian Penda Ekoka de n'importe quoi. C'était suffisant. Christian Penda Ekoka n'a pas été corrompu pendant qu'il était en prison. Il fut corrompu après la prison. À l'épicentre de leur vie, la fripouille prit siège après la libération de la prison. Vous comprenez un peu le sens? Comment je comprends cette phrase? À l'épicentre de leur vie, la fripouille prit siège après leur sortie de la prison. Vous comprenez un peu le sens? Le trompe œil du veau d'or dissimulait le néant que la corruption qui dissimulait, devait nous conduire nulle part. C'est-à-dire si chaque fois que nous abandonnons notre mission, celui d'être aux côtés du peuple, parce que nous venons avec une mission, l'or est éprouvé au feu. Ce que nous souffrons aujourd'hui, ce que je fais maintenant, si je ne résiste pas, je ne vaux pas l'or que je suis. Je ne vaux pas l'or que je suis avant même d'avoir pensé qu'on devrait me mettre au monde. Si je trahis ma mission en laissant le chimère du mensonge me détourner de ma mission, alors je sombre directement dans le néant. Je ne vaux pas d'être appelé fils de Oumyobé. Je ne vaux pas d'être appelé fille d'Ernest Wanje. Je ne vaux pas la peine d'être appelée la fille de tous ces valeureux combattants qui sont tombés la tête coupée pour demander que le Cameroun soit libre. Je ne vaux pas mes ancêtres de lutte. Je ne vaux pas, je n'aurai même pas le droit de prononcer le nom de mes ancêtres de lutte. Alors je ne vaux rien. Ma vie ne vaut rien. Au lieu de continuer dans l'espérance, je sombrerai dans le néant si je trahis la lutte. Si Grégoire Owona m'écrit pour me dire,
Je te donnerai tout Yaoundé. À toi, je donnerai tout le terrain de Sam et Foulan. Exactement comme le diable trompa Jésus dans le désert. Viens avec moi, regarde tout ce que j'ai. Regarde encore que ce n'est même pas pour eux. Il va me promettre ça, alors que ce n'est même pas pour lui. Il a volé. Comment tu peux me remettre ce que... Tu me voles quelque chose, puis tu me corromps avec. Ce qu'ils prennent pour nous corrompre appartient à nous tous et à chacun d'entre nous. Comment est-ce qu'on peut prendre ce qui t'appartient pour te corrompre encore avec? Pour te dire de te détourner de ton espérance. Parce que l'espérance, c'est ça. Nous avions obtenu une mission avant même d'être nés. Nous naissons. Une fois que nous sommes mis au monde, notre mission commence. Et une fois que nous quittons ce monde, nous ne mourrons pas. Nous retournons où nous étions pour rendre compte. Si tu te laisses corrompre dans la lutte, tu rendras compte. Nos mains ardentes jettent dans les champs en friche. C'est quoi nos mains ardentes? C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous allons marcher sur Montréal. Nous chassons Paul Biya de la Suisse. C'est notre mission noble. Parce que quand nous chassons Paul Biya, c'est ça nos mains ardentes. Jette dans les champs en friche. C'est ce que nous faisons. Quand nous faisons les lives pour dire aux Camerounais, libérez-vous. Ce sont nos mains ardentes qui sont en train de jeter dans les champs en friche. Le semeur. Chasser Paul Biya de la Suisse est noble. Chasser Paul Biya de la France est noble. Ce sont nos mains ardentes qui jettent dans les champs en friche. Militer dans le MRC, militer dans n'importe quel parti politique qui est sincère et honnête envers vous. Sont vos mains ardentes qui jettent dans les champs en friche. Les volets de semences pour les temps à venir. C'est clair. Nos mains ardentes, nous sommes ici pour dire, allons marcher à Montréal pour libérer le Cameroun, pour garantir l'avenir, pour garantir la prospérité et la postérité à tous les Camerounais. Excusez-moi. Nos mains ardentes, ce que tu fais pour la révolution, ne le néglige jamais. C'est ta mission. Ne néglige jamais ce que tu fais pour la révolution. C'est ta mission. Nos mains ardentes jettent dans les champs en friche les volets de semences pour les temps à venir, qu'elles croissent dans l'humus et les ronces. Que ce que nous faisons aujourd'hui porte du fruit. C'est simplement ce que ça veut dire. Ne néglige jamais ta détermination à te libérer. Ne néglige jamais ta détermination à dire que le Cameroun soit libre. Ne néglige jamais ta détermination à faire comme Ernest Ouandji avait fait après avoir reçu la balle dans le crâne que vive le Cameroun. Ne néglige jamais ça. Qu'elle croisse dans l'humus et les ronces. Et se souvient toujours qu'aucune graine n'aura choisi là où elle est tombée. Que ne néglige jamais ce que tu fais pour la résistance. Parce que chaque acte posé dans la résistance pour la libération du Cameroun converge vers ce but. Chaque acte que tu poses aujourd'hui pour dire non, Paul Biya, ne fais plus ça. Non, Paul Biya, arrête de tuer Onozo. Non, Paul Biya, arrête de tripatouiller les élections. Chaque acte que tu poses pour dire ça mène le Cameroun, le bateau du Cameroun, à bon port. Ne te néglige jamais. C'est ce que le poème de Moïse Kamto veut dire. Nous avons tous une mission.
La mission ultime que nous avons, c'est de libérer le Cameroun. Il dit que Penda et Koka, c'est tout ce que toi et moi on faisait. C'est tout ce que toi et moi on s'était retrouvés pour faire. Voilà la lutte. Si tu as compris ça et que tu décides de t'asseoir chez toi pour attendre que c'est Maurice Kamto qui va libérer le Cameroun à ta place, pour attendre que c'est Maurice Kamto qui va assumer ta mission à ta place. Quand tu as compris ça, ne te repose jamais, mon cher compatriote. Ne te repose jamais tant que la fripouille est là. Tant que le veau d'or est là pour t'amener dans la corruption, pour corrompre ta mission, tu n'es pas un soldat. Tu n'es pas un soldat. Sois fier de toi. Porte ton kakwa. Prends ton arc. Prends ta flèche et tire. Marche sur le chemin de la liberté et de la libération. C'est ça qui libère. C'est ça qui donne espérance. C'est ça qui donne un sens à ta vie. Et qu'aucune fripouille ne te trompe. Aucune. Les Célestins Djamel ne sont pas, ce ne sont pas des combattants, ce ne sont pas des soldats. Ne vous occupez pas de lui. Arrête de croire que tu ne vaux rien, alors que tu vaux tout. Arrête surtout de sombrer dans le pessimisme. Arrête surtout de sombrer dans la fatalité. Tu vaux tout. À tous les Canadiens, allons marcher sur Montréal. Nous sommes en mission. Allons marcher sur Montréal. La marche est une marche spirituelle. Nous avons choisi une lutte pacifique. Et nous allons faire tout ce qu'il y a de pacifique. Pour dire, Paul Biya doit quitter. Ce n'est que ça. Et pour dire, je ne suis pas avec lui. Retrouvons-nous donc samedi. À midi, tac, tac, je serai déjà là-bas. Je dis que à midi, tchac, 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 là, je serai déjà au métro Snowden. J'ai déjà obtenu que je serai libre samedi. Et donc samedi à midi, si vous arrivez à samedi à midi et que vous ne me voyez pas, c'est que peut-être le métro est calé quelque part à Montmorency. Libérons-nous. C'est tout ce que le poème de Maurice Kamto est en train de dire. Quand vous avez compris, quand vous avez lu, quand vous avez... Le prof Franklin Namsi a trop mis la philosophie dans son explication. Moi, j'ai expliqué comme moi, j'ai compris clair, là, net. Je résume. Avant que nous ne soyons, nous fûmes. Ça encore, c'est philosophique. Comment je peux dire ça? Avant que nos mamans ne nous accouchent, nous étions déjà. Et quand nous sommes donc arrivés, nous avions une mission. Avant que nous ne commencions à marcher, la mission nous avait déjà précédés. Fils du littoral, nos chemins se sont croisés. Les cours s'unissent et se déroulent pendant la campagne électorale, en prison, après les élections, en prison, après la prison. Et pendant que nous cheminions à l'épicentre de nos vies, la fripouille s'amène et sème le désordre. Pour nous faire croire que toi et moi, nous n'étions pas frères. Mais, ce n'est pas grave, car
Nos mains ardentes sèment dans des champs en friche. Continuons la route. Continuons la lutte. Continuons la route. Restons sur le chemin. C'est ce que Moïse Kamto veut dire. N'abandonne jamais. Tant que Paul Biavi, la résistance va lui... la résistance va lui servir des cailloux dans la chaussure. C'est pacifique la lutte. Nous n'avons pas d'armes. Et nous ne porterons jamais les armes pour le dire. Pourquoi ils nous tuent? Mais s'ils nous tuent, ça veut dire que ça pique. Quand Grégoire Orona et Femme Dongo ont lu ce poème, ils n'ont pas dormi. Peu importe qu'on n'ait pas été aux obsèques, peu importe, eux, ils ont été aux obsèques, ils ont tiré quoi dedans? C'était notre deuil. C'était notre deuil. Christian Penda et Koka, qui marchent aux côtés de la justice avec moi et mon frère. C'était notre frère. Dites ce que vous voulez. Racontez ce que vous voulez. Même si la fripouille s'est introduite dans, entre nous, pour semer le désordre et la corruption, oh, ça, c'était notre frère. Retrouvons-nous à Montréal samedi. Je ne vais pas être plus long que ça parce que c'était le recueillement. Pour dire que nous bénissons la présence de prison, nous bénissons la présence de Christian Penda et Koka dans la résistance. Et que son départ nous sert la leçon que à tout moment, la fripouille peut s'introduire au milieu de nous, semer le désordre. Pour finir, venir se moquer de notre dépouille. Faites gaffe, les amis. Mourez le point haut. C'est ce que ça veut dire. Mourez le point de la liberté haut, comme pour Ernest Ouandié. Ils vont porter votre cadavre et aller verser dans du béton comme ils l'ont fait avec Oum Niobe. Ce sera le signe que vous êtes victorieux. Mais, s'ils apportent une gerbe de fleurs sur votre dépouille, sachez qu'il est venu parmi vous déverser leur venin, déverser leur misère sur vous, déverser sur vous le germe de la corruption, le germe de la division. Ne le permettez jamais. Soyez nobles et courageux. C'est ce que ça veut dire. Que vos mains ne sèment que le droit et la justice. C'est difficile à dire. Il n'y a pas de mots pour le dire. Si nous sommes unis, nous libérerons le Cameroun. Le propre de cette satrapie, c'est de toujours tout faire. Mais ils le font pour protéger leur pouvoir. Ils ne vous aiment pas. Est-ce que ce faisant, ils ne partagent même pas le pouvoir avec vous? C'est de ça qu'il est, c'est comme ça qu'il faut comprendre. À pas semer le désordre et la division parmi vous, ils ne partageront jamais le pouvoir avec vous. Parce que le but, c'est de vous éloigner de ce pouvoir-là. Et de continuer d'enfoncer le Cameroun dans le néant. Diviser tous les Camerounais. Ne le permettez pas. Résistez. Résistance. C'est ce que ça veut dire. Quand on a dit ça donc, retrouvons-nous ce samedi pour dire à Moïse Kamto que même si toi-même Moïse Kamto, tu n'es pas là, nous on continue. Ok? C'est de ça qu'il s'agit. À samedi les amis, je ne vais plus revenir vers vous. On n'est pas ici, pour... ce n'est pas une église. Hein? La résistance n'est pas une religion. Nous ne sommes pas ici pour vous convaincre. Nous sommes ici pour dire que nos mains ardentes jettent dans les champs en friche les volets de semences pour les temps à venir.
qu'elle croisse dans le mus et les ronces et se souvienne toujours qu'aucune graine n'aura jamais choisi là où elle est tombée. Nous sommes ici pour vous dire, soyez des semeurs de la liberté. On n'est pas là pour vous convaincre de l'être. Vous pouvez choisir le néant comme vous voulez. Ok? Mais nous, nous on a choisi d'accomplir notre mission et de mourir sur le champ de guerre. Et même si nous mourons, nous vivrons. Celui qui n'a pas peur de mourir, Scamto. Je vais vous dire tout de suite, ayez plus peur de Maurice Kamto que de Paul Biya. Ne vous attaquez pas à Maurice Kamto. Maurice Kamto est entré dans la sphère cosmique. Il est entré dans la sphère cosmique. Il est entré dans le cœur cosmique de la lutte pour la libération du Cameroun. Tu attaques Maurice Kamto. Les esprits de Oumyobé et de Wandie vont te torturer toute ta vie. Et en tout cas, ça va commencer ici. Ils vont même pas attendre que tu meurs. Ils vont te torturer. Posez-vous toujours la question, qui est Maurice Kamto? Vous comprenez? Moi, c'est le conseil que je peux vous donner. C'est le conseil que je peux vous donner. Ne vous attaquez jamais à Maurice Kamto pour rien. Si Maurice Kamto fait ce qui est mauvais, dites ce qu'il a fait de mauvais. Mais s'il n'a rien fait de mauvais, abstenez-vous de l'attaquer. Toute personne qui s'attaque à Maurice Kamto, les gens qui le protègent là-haut, ils vont lutter pour lui. C'est un conseil que je vous donne. Attaquez-vous à nous. Laissez Maurice Kamto tranquille. C'est un conseil que je vous donne. D'ailleurs, le jour où toi-même tu sens que dans ton cœur là, tu as une haine viscérale contre Maurice Kamto, toi-même tu vois ce qui arrive, commence à arriver dans ta vie. Est-ce qu'il est à côté de toi? Non. Posez-vous la question que le type s'il vient même d'où? Pourquoi quand il parle toujours comme un esprit? Ne vous attaquez pas à lui. Laissez qu'il nous trahisse. Laissez qu'un jour, s'il nous trahit, on va les sauter copieusement. Rien ne doit nous arriver. Parce que ce sera juste. N'allez pas dire que j'ai dit que Kamto est Jésus, Kamto est... Non. Mais je vous dis seulement, si l'homme la passe à côté de vous, laissez-le passer. Oh. Laissez-le passer. Laissez-le passer jusqu'à ce qu'il meure de sa propre mort. Oh. Je vous dis seulement, parce que moi, quand je vous voyais là, moi j'ai peur de Maurice Kamto. Non pas que c'est un homme méchant, non pas qu'il est méchant, non pas qu'il va me faire quelque chose, mais moi j'ai peur de lui. J'ai moi peur du type là. Donc si vous voulez vous attendre. Mais remarquez que tout, en tout cas, au revoir. J'ai fini ma part. On se voit samedi, hein. On met tous nos dents à Montréal. Bye bye les amis. Patriotiquement vôtre.